Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse après un merveilleux week-end, on peut dire, de transformation. Oui, tout à fait. Je suis Marc, ravie de cette rencontre et j'ai hâte de vous faire découvrir la beauté du personnage, l'intelligence du personnage que j'ai à côté de moi. Il y a de nombreuses choses qui se sont passées ce week-end que tu as mis en place parce qu'il y a un vrai désir en toi de transformation de la société, de transformation économique, politique. Tu as un parcours complètement atypique, ce qui fait de toi, comme nous tous d'ailleurs, des êtres complètement uniques. Mais je sens qu'il y a en toi cette communication, cette façon de dire les choses pour que vraiment... On voit que des nouvelles structures sont déjà en place, que des choses... Parle-nous de cet univers, en fait. Je sais que tu es auteur, tu es conférencier, auteur de... Surgissement d'un nouveau monde chez l'Harmattan 2013. Et le sous-titre, c'est Vision, valeur, économie, politique, trois petits points, tout change. Ouais. Ça passe par quoi ce changement, concrètement, pour qu'on s'en rende compte, quelle que soit notre position, quel que soit notre travail Je vais prendre une image. Le changement est comme un grand iceberg. Vous savez, un iceberg, la plus grande partie de l'iceberg est sous l'eau. Et donc, ce changement, on n'en parle pas parce qu'il est sous l'eau. Et plus on descend, plus c'est froid. Et donc, on n'aime pas d'aller tout en bas. Alors, on va commencer... Par le haut, ce qui flotte, c'est le malaise du politique, la crise du politique, ce qu'on appelle le credibility gap. Donc, il y a un fossé de crédibilité entre le citoyen et les structures politiques. En dessous de ça, il y a un fossé entre la logique économique dominante, qui est ultralibérale, et ce que le citoyen aimerait bien, c'est-à-dire une économie au service de l'homme et de l'environnement et d'un monde qui ait un sens. Et un arrêt d'une domination de la finance sur la politique. Tout ça est évident. Mais en dessous de ça, donc ça c'est d'abord le niveau politique, le niveau économique, en dessous de ça, on touche au disque dur. C'est la fin et la crise de la manière... rationnelle, analytique, cartésienne, uniquement de raisonner. On se rend compte que, certes, il faut garder un esprit critique, il faut garder un esprit scientifique, mais que tout ça va se passer dans un contexte complètement différent, que j'appelle transmoderne. On va garder le meilleur de la modernité, mais le contexte est complètement différent. Donc ça, on touche là au programme de base de l'ordinateur. Et puis on descend encore. Et on touche aux valeurs de base de nos sociétés qui étaient patriarcales. Commande, contrôle, conquête. C. Avec ça, on est allé sur la Lune. Mais avec ces valeurs, il n'y a pas moyen de construire un monde soutenable. Et donc, les valeurs de base de, nos sociétés mondiales sont en train de se réajuster. Et je dirais que le camion du patriarcat, il va toujours à toute vitesse, mais le moteur est cassé. C'est-à-dire que la justification sociétale des valeurs patriarcales est cassée. Et tout en bas, dans le froid, il y a le moteur du changement. Le moteur du changement, c'est que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons construit deux manières de nous suicider collectivement. D'abord, la guerre nucléaire. Il suffit de pousser un bouton rouge, qui heureusement est quand même gardé. Les deux ordinateurs russes et américains sont quand même surveillés. Mais nous sommes passés de 34 fois à 17 fois la capacité de faire exploser la Terre. C'est encore 17 fois de trop. Tout le monde sait ça. L'inconscient collectif de chaque homme et de chaque femme sur la Terre le sait. Et l'autre manière de se suicider, c'est de continuer à croître quantitativement dans un monde fini. Évidemment, on va casser les murs et nous sommes en train de le faire. Et puis ça fait des individus qui sont malheureux et il y a une grande souffrance, on le sent. Tout à fait, tout à fait. Et cette souffrance, tu dis juste, cette souffrance fait
que l'inconscient collectif de l'humanité décide, est en train, a déjà décidé, peut-être aidé par des forces spirituelles, je ne sais pas, mais l'inconscient collectif de l'humanité est en train de se redresser et de transmuter des valeurs de mort en valeurs de vie. Waouh ! Ça, c'est un moteur. Ça, c'est le moteur de transformation de notre monde actuel. Et ce moteur-là, personne ne peut l'arrêter. Et certainement pas les politiciens. Mais, non plus les, mais pas les scientifiques non plus, personne. C'est une révolution silencieuse. C'est une révolution silencieuse et c'est un changement de civilisation. Donc, on ne change pas simplement... Changement d'air, carrément. Oui, changement d'air. On va vers une civilisation qui repense le rapport à la vie, le rapport homme-femme, la manière de penser, l'économie, la politique, le frame of reference, c'est-à-dire les valeurs de référence sont en train de se remélanger. Ça fait mal à nos ventres. Ce n'est pas facile à vivre, mais c'est passionnant. Mm-hmm. Parle-nous de cette analogie à Venise, de ces piliers, justement. C'est un peu ça hein, qu'on ressent. Alors, tu le décris bien. Changer de paradigme, c'est toucher. Vous savez, les vieilles maisons de Venise sont bâties sur des piliers en bois qui ne peuvent jamais être en contact avec l'air parce qu'ils pourrissent instantanément. Mais tant qu'ils sont dans l'eau, ils restent en parfait état. Changer de paradigme, c'est commencer à remplacer ces piliers. Mais ça veut dire que votre maison est en danger de s'écrouler. Et donc, il n'y a personne qui aime qu'on vienne secouer les piliers en dessous de sa maison. Or, c'est ça que le monde actuel est en train de faire avec chacun de nous et avec notre civilisation, avec notre politique, avec notre économie. Et donc, on secoue les piliers et tout le monde est... Bon, alors, il y a des réactions très agressives. Il y a même des gens qui votent pour l'extrême droite ou pour l'extrême gauche parce qu'ils ne savent pas quoi. On secoue les piliers de leur maison, les pauvres. Mmh. Et personne n'explique ce qui se passe. Ouais. À la base de tout ça, j'ai le sentiment, et pas mal de personnes ont le sentiment, d'arrêter ce monde de compétition, de séparation, pour arriver à vraiment être dans une société de coopération, de partage. C'est ça le nouveau paradigme aussi ? Alors, oui, certes. Là, on va faire un tout petit peu d'économie. La bonne nouvelle, c'est que la Commission... Oui, je vais raconter une petite histoire. Donc Jacques Delors nous dit, vous, cellule de prospective, faites de la prospective. Et donc vous faites une étude sur l'économie européenne en 2030. Alors on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire ça ? Et nous avons travaillé en réseau avec une centaine d'économistes du monde. Quelle était ta position à l'époque ? J'étais membre de la cellule de prospective, c'est-à-dire un think tank, mais qui était au service du président. Et nous étions vraiment libres. Et nous étions libres d'être intelligents et de poser les questions les plus impertinentes. Ce qui n'a peut-être pas plu tellement aux chefs d'État, etc. Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. C'est une des conclusions du fameux livre blanc de 1994, il y a 20 ans exactement. Nous disions, attention, nous passons de l'économie industrielle à l'économie immatérielle. Et c'est un gros changement qui va être aussi important que le passage en Europe de l'agriculture à l'industrie. Et ça va changer complètement notre vision du monde. Cette vision du monde, et il y a alors à ce moment-là un auteur, l'auteur le plus célèbre du monde au niveau du management, Peter Drucker, avant de mourir, qui publie un livre qui s'appelle « Le Post-Capitalist Society », l'après-capitalisme. Et il explique que nous changeons d'économie, que dans cette nouvelle économie immatérielle, on ne produit plus d'objets, on produit de la connaissance. En ajoutant de la connaissance à de la connaissance. Par exemple, vous concevez Amazon, vous concevez Facebook, c'est de la connaissance appliquée à de la connaissance technologique pour créer un nouveau concept. Il n'y a plus d'objets. Et l'outil de production, ça c'est la surprise, l'outil de production, c'est l'humain.
Mais l'humain, pas seulement avec son mental, avec son cœur, avec son âme, avec son corps, tu crées avec tout. J'ai mis mon âme dans cette chose, dans cette œuvre d'art. Bon, j'ai mis mon âme dans ce travail qui vraiment m'enthousiasme. J'ai mis mon temps, mon énergie, ma créativité, mes désirs, la vision, mon intelligence. Attention, tout d'un coup, le management, comme Peter Drucker avait bien prévu, tout d'un coup, le capital humain devient plus important que le capital financier. Waouh ! Et le capital humain, il rentre chez lui tous les soirs. Tu n'es pas gentil avec le capital humain. Il ne revient pas travailler chez toi. Et alors tout d'un coup, maintenant, on dit, ah, on doit faire des relations humaines, que département de relations humaines, c'est très important. Mais c'est parce qu'on a changé d'économie. Et donc on voit, moi je vois dans les grandes entreprises, je suis invité par les directeurs de relations humaines, et eux, ils sont déjà dans la logique ascendante de valoriser le capital humain. Et au-dessus d'eux, il y a des gens qui sont encore dans la logique financière à court terme du paradigme précédent. Et donc ça crache. C'est-à-dire profit pour les profits ? Profit immédiat, finance plus importante que capital humain. Et le capital humain, ben, on met les gens à la porte pour... pas parce qu'ils n'ont pas bien travaillé, mais simplement pour faire des profits à court terme. Et donc, ce qu'on voit, c'est un mouvement extrêmement puissant dans de nombreuses entreprises, d'une nouvelle logique du capital humain, plus important que le capital financier, une logique post-capitaliste, est en train d'émerger un peu partout. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Et ça, on n'en a pas forcément parlé dans le journal. Il y a eu un petit peu de censure autour de ça ? Jusqu'en 2004, par exemple, Time Magazine a fait tout un numéro sur Knowledge Economy. C'était passionnant. Et puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et donc, même l'Europe... Alors, je vous raconte une autre petite histoire. Le gouvernement portugais, conseillé par une femme géniale, Maria João Rodrigues, professeure d'économie à Lisbonne, réunit les chefs d'État et leur dit « On va créer quelques dizaines de millions de jobs immatériels. » « Oh, very good, très bien. D'accord, combien de milliards voulez-vous ? Autant. » Et le chef d'État dit « Ok, on va signer. » Et puis, il y a deux chefs d'État qui disent « Mais il faut supprimer le premier paragraphe de votre déclaration. » Et le premier paragraphe, vous savez ce qu'il disait ? Ceci est un nouveau paradigme économique. Mars 2000, on a donc coupé le nerf même du projet. Pourquoi ça fait si peur ? Parce que nous sommes tous collés à la logique industrielle. La gauche, la droite, les verts, tout le monde a pour finir, s'est identifié à cette logique industrielle de croissance, d'objet, de profit à court terme. Et c'est très difficile, ça change une partie de notre disque dur. Et donc c'est difficile. C'est difficile pour moi, c'est difficile pour toi, c'est difficile pour la gauche, c'est difficile pour les syndicats, c'est difficile pour la droite, c'est difficile pour tout le monde. Et donc on n'en parle pas. Parce qu'on ne peut pas nier que des grands penseurs aient déjà annoncé ce changement depuis 20 ans. J'ai un autre ami qui était le vice-président, le vice-secrétaire d'État de Kennedy. Et donc tous ces gens-là, c'était un ami de Peter Drucker, avec tous ces gens-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Californie, nous étions conscients que vraiment on allait vers une autre société. C'était extraordinaire. Donc pour repartir sur ces valeurs, des valeurs de, on est moins dans cette nouvelle, nos paradigmes. Quelles sont les valeurs ? Alors, les valeurs, c'est ouverture, économie du don, économie de la gratuité. Pourquoi ? Parce que la connaissance, c'est comme l'amour. Plus tu en partages, plus tu en as. Mais le capital, c'est le contraire. Si tu donnes ton capital, tu sais plus rien faire. Et donc, tu vois, on inverse les logiques. Autant c'est important de breveter, de contrôler ton objet, autant tu ne peux pas breveter la connaissance.
Les pyramides, c'est très important pour produire des camions, mais la structure pyramidale ne permet pas de produire de la connaissance. Donc toutes les pyramides deviennent des réseaux. C'est tout qui s'inverse. C'est absolument passionnant. La richesse culturelle, la diversité culturelle est un problème pour la société industrielle. C'est un asset. C'est un avantage compétitif au niveau de la nouvelle du post-capitalisme. Et enfin, la manière de mesurer, on passe des tangible assets aux intangible assets. Alors en français, ça donne les actifs matériels, les actifs financiers, aux actifs immatériels. Bon, je n'ai pas le temps de développer ça, mais on passe du quantitatif au qualitatif. Et la toute bonne nouvelle, c'est que on ne peut plus concevoir une économie de croissance quantitative. Nous l'avons dit. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les entreprises sont appelées à croître qualitativement. Pourquoi ? Parce que sur le web, la quantité d'informations, on s'en fout. Ce qu'on cherche, c'est la qualité. Et donc, nous passons d'une société qui s'intéressait à la quantité à une société, à une économie qui s'intéresse à la qualité. Mesures qualitatives, croissance qualitative, c'est extraordinaire. Mmh. Mais là, l'humain est vraiment au cœur de ce paradigme. Pas parce qu'on est gentil, mais parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est ça qui est passionnant. Donc il y a une logique qui s'impose et qui entre dans tous les rouages, y compris industriels et agricoles, comme de l'huile. On va changer notre agriculture, on va vers une agriculture post-industrielle, c'est évident. On va vers une production post-industrielle. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas garder l'industrie, mais l'industrie ne va plus produire d'emplois. Ça, c'est probable. Qu'est-ce qui t'a frappé sur cette journée comme ça, ce forum que tu as mis en place et organisé ici à Toulouse ? Alors, ce qui était passionnant, c'est qu'on a été voir, au fond, on a fait un exercice, on a été voir la nouvelle plaque tectonique. Et on s'est rendu compte que le couvert était mis. Le couvert est mis. On a les solutions économiques, on a les solutions politiques, on a les solutions d'une agriculture viable. Tous les rapports, mais qui sont mis sur le côté de la FAO et même du gouvernement français, montrent qu'il faut aller vers une agriculture bio, une agriculture qui régénère le sol et pas qui déverse des produits chimiques dans le sol. Tout ça, nous le savons. Les nouveaux outils sont sur la table. La table est mise, mais on ne commence pas à manger. C'est passionnant. Et donc, nous nous sommes réenchantés. La journée de vendredi était le réenchantement à partir de nos découvertes. Chacun apportait une pièce du puzzle et on a vu que toutes ces pièces se cliquaient, je m'excuse, mais s'emboîtaient parfaitement. Il manque des pièces. C'est pas tout à fait complet, mais on peut s'y mettre. On peut commencer à manger. On verra bien, les autres plats vont arriver. Et c'est concret. Et c'est concret. Tu vois, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'éducation, on a parlé de l'économie, on a parlé du politique, on pourrait parler de l'énergie. On n'en a pas parlé cette fois-ci. Peut-être qu'on en parlera au Parlement européen, on verra. Mais il est temps de découvrir que la table est déjà mise et que nous sommes déjà dans cette économie post-capitaliste, immatériel et dans cette nouvelle logique qui est recentrement sur l'humain. Mais ça suppose aussi une transformation personnelle. C'est ça. Pour parler de cette transformation personnelle, j'aimerais que tu nous parles en quelques mots de ton propre parcours, qui est plein de rebondissements, plusieurs vies, hein, oui. En une. Bon, la première vie, j'ai étudié d'abord les mathématiques et puis la philosophie, je suis devenu prêtre. Et j'ai étudié un doctorat en théologie grecque et russe en italien à Rome. Cette période s'est terminée quand je me suis marié. Donc, clairement. J'ai cherché un autre job et j'ai fini par trouver un job tout à fait passionnant.
Je me suis retrouvé à la cellule de prospective de la Commission européenne que Jacques Delors venait de créer. Et à ce moment-là, il nous a dit, voilà, vous êtes... les Européens sont intelligents. Si on leur dit que l'Europe, c'est uniquement un marché, ça ne va pas marcher. Donc, si ce n'est pas un marché, c'est quoi ? Marc, chercher. C'est quoi l'âme de l'Europe ? Chercher. Bon. Et voilà, on s'est mis pendant 10 ans, j'ai été là, et j'ai pu voyager dans le monde entier. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait, parmi les conseillers de tous les gouvernements du monde, une minorité qui se rendait bien compte qu'on allait vers un changement majeur de civilisation. Mais que ces conseillers n'étaient pas majoritaires. Et donc, il y a donc une conversation qui a commencé avec le Club de Rome, Aurelio Peccei, en 1974. Et cette conversation continue et est évidemment, ce sont les prolégomènes de la nouvelle civilisation qui est en train d'advenir maintenant. Ça, c'est à la cellule de prospective. Et puis après ça, j'ai écrit des livres parce que j'avais trop de choses que j'avais accumulées. Et peut-être suis-je à la quatrième vie qui consiste à aller vers une transformation. Comme me dit ma femme, tu écris des livres sur la transformation, mais il faut les vivre. Et donc, je suis en train de découvrir... Et de procéder et avec émerveillement à la transformation de moi-même. Et ça fait partie intégrante hein, de ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est tous dans ce mouvement, on se sent un peu poussé vers ça. Hein. Oui, tout ce qu'on dit sur la société, changer le disque dur, etc. Mais tout ça est vrai aussi dans ma vie à moi. Qui va plus vite, je ne sais pas. Et donc, il y a comme une interaction entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe en moi, ce qui se passe en toi. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais moi, j'ai dû changer mon disque dur de spiritualité, puisque tout ce qu'on m'avait dit, c'était mépriser les choses de la terre, mépriser le corps, mortifier le corps pour aller vers le spirituel. Et maintenant, je découvre à la fin de ma vie que le changement, le chemin spirituel, s'il y a, passe par le corps, par des choses toutes simples, et qu'on peut tous arriver à l'illumination, mais en utilisant notre corps. C'est la chose la plus précieuse que nous avons pour procéder à la transformation personnelle et collective. C'est passionnant. Pourquoi c'est la chose la plus importante ? En deux mots, parce que je sais qu'on pourrait faire toute une autre vidéo, mais c'est important parce que tu soulignes quand même. Tout petit peu de philosophie, de théologie, parce que nous ne sommes pas des corps qui éventuellement ont une âme, mais nous sommes des âmes incarnées, qui se sont incarnées pour une raison. Et moi, je pressens que je me suis incarné pour apprendre des choses en cette vie-ci. Et ces choses que je dois apprendre, mais c'est la réhumanisation, c'est réapprendre à aimer, c'est réapprendre à ouvrir son cœur. Et c'est la même chose que la société doit faire. Donc ça passe par ça. Par le corps. Et cette appréciation de ça aussi. Mais oui, mais c'est tout à fait nouveau. Et un certain jésuite Teilhard de Chardin disait ça déjà en 1950. On ne l'a pas trop écouté. Mais c'était un mystique extraordinaire. Un peu comme Sri Aurobindo en Inde. Ce sont des mystiques qui annoncent vraiment le changement de civilisation et en même temps le changement spirituel. Et beaucoup l'ont prédit à ce niveau-là, dans ce milieu-là, dans cette mouvance-là de mystique. Beaucoup de choses ont été faites dans les quatre coins du monde. Les Mayas, oui. Les Aztèques, en Inde, certaines personnes. Et concrètement, on attend ce changement et on le veut. Oui. Et toi, tu nous dis, c'est en place, ça y est, tout est là. Maintenant, c'est à nous
de vraiment d'agir, quelle est notre part? Parce que quand tu dis la table est déjà mise, la prochaine action pour nous tous, c'est laquelle? Il faut s'asseoir à table. La table est mise, mais, il faut prendre sa chaise, il faut s'asseoir et commencer à manger. C'est le citoyen qui va utiliser les outils. Les outils ne vont pas se mettre à fonctionner tout seul. Donc on doit s'asseoir à table. On doit quitter la vieille table et on doit s'asseoir à la nouvelle. C'est passionnant, mais c'est un peu déménageant. Donc c'est ça qui est passionnant. Donc la bonne nouvelle, c'est que les choses se préparent, sont beaucoup plus prêtes qu'on ne croyait. Mais il faut faire 50% de démarches personnelles. Je crois que, comme disait le précepte, « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est exactement ça. Donc, il y a une partie que nous devons faire, nous-mêmes, et il y a une partie d'aide spirituelle qui nous est, je crois, donnée gratuitement pour nous aider dans cette transformation. C'est en même temps complètement nous et en même temps un don, et en même temps une grâce, on pourrait dire. Et cette conversation est complètement compatible avec l'économie, la politique? Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on regarde vraiment bien l'évolution de l'économie mondiale, on est dans un recentrement mais radical sur l'humain, pas parce qu'on est gentil, mais parce que l'outil de production, comme dirait Charles Marx, l'outil de production a changé. C'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est un peu difficile à comprendre. C'est beaucoup d'idées en quelques minutes. Alors, un petit mot de la fin. Après cette délicieuse conversation, je sais qu'il y a plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a des choses, quelque chose par rapport à cette conversation en conclusion ou des dates ou... Les dates, c'est le plus difficile. Je pourrais dire une chose. Il y a une très bonne nouvelle. C'est que il y a un danger évidemment de crise au niveau monétaire, financière, monétaire, mondial, et que le 25 avril, il y a une réunion de l'autre côté de la Terre, du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, les BRICS, qui ont décidé de créer un nouveau système monétaire entre eux. Un nouveau fonds monétaire, une nouvelle banque mondiale, cool, sans faire la guerre aux Américains et au système en place. On met en place un système qui correspond plus à ce qu'ils considèrent être la situation mondiale actuelle. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle dont notre presse nous a absolument rien dit. Qu'est-ce que ça va produire à court, à moyen et à long terme, au niveau du système mondial, monétaire et financier, c'est très difficile à dire. Mais on va vers des changements importants. La deuxième chose, c'est que la nouvelle civilisation, c'est aussi la fin du désenchantement du monde. Vous savez que le philosophe Max Weber a écrit « Wir haben den Welt entzaubert ». Nous avons désenchanté le monde. La modernité a désenchanté le monde. Et je crois que cette période se termine. Et donc, ce qui est en train de sourdre en nous, individuellement et dans la société, c'est le réenchantement. Le réenchantement, c'est la reconnexion entre nos corps, nos âmes, nos esprits. L'économie, la politique, tout ça peut avoir un sens. C'est fantastique. Merci Marc pour cette délicieuse conversation. Merci mes co-créateurs, mes délicieux co-créateurs, de regarder cette vidéo, de la partager. Ça, c'est de la bombe. Merci Marc. Yeah. Plein, plein de gros bisous à vous. On vous embrasse. De Toulouse, non pas de Bruxelles, peut-être une prochaine fois. Bienvenue à Bruxelles. On vous embrasse. Au revoir.